Regardez votre programme avec Citroën C1 JCC+. Série spéciale dessinée par Jean-Charles de Castelbajac. La citadine compacte de 3,46 m, libre comme l'art. Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin mytho avec un temps de saison, un temps bien automnal pour cette semaine avec, vous le voyez à l'image de cette carte, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, malheureusement des nuages un peu plus nombreux avec des pluies un tout petit peu plus marquées du côté de l'Aisne ou encore pour la partie sud de la Picardie, il y a un tout petit peu plus d'éclaircies pour la partie littorale. Les températures au petit matin comprises entre 11 et 13 degrés. Pour la suite de votre journée, c'est globalement la même situation avec toujours ces quelques pluies éparses sur une bonne partie des Hauts-de-France. Malheureusement, elles seront un tout petit peu plus marquées pour le Saint-Quentinois ou encore du côté de Château-Thierry. Bonne nouvelle, tout de même les températures qui petit à petit vont remonter, notamment pour votre après-midi. Alors pour la journée de jeudi, vous voyez toujours ces pluies, notamment sur la partie littorale. Dans les terres, un ciel variable, alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Et puis vous l'avez vu, ce mercure qui sera un tout petit peu juste et un peu trop bas pour la saison quand même, avec à peine 14 degrés du côté de Saint-Quentin, 15 pour la métropole illoise, pour Arras ou encore du côté de Béthune. Idem du côté de Château-Thierry, comptez 14 degrés du côté de Stenvoort. Pour la journée de vendredi, bien malheureusement, difficile de passer à travers les gouttes, en tout cas pour votre fin de semaine, avec une perturbation beaucoup plus active, pas mal de précipitations sur l'ensemble de la région et les températures qui vont continuer de baisser entre 12 et 14 degrés sur l'ensemble des Hauts-de-France. En ce 30 septembre, tiens, il me reste à peine 5 secondes pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman et lui dire que je l'aime très fort. Passez une excellente journée. C'était votre programme avec Citroën C1 JCC+. Série spéciale dessinée par Jean-Charles de Castelbajac. La citadine compacte de 3,46 m, libre comme l'art.